Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera encore un tag. Et oui, j'ai beaucoup été taguée, du coup, faut que je les fasse. Donc le tag c'est ton slash au point bleu, de merveille passion slash, j'ai été taguée par elle-même, donc merci à toi de m'avoir taguée. Question 1, quel est ton premier slash au point bleu que tu as découvert? Donc c'est ce petit poney arabe, poulain arabe plutôt. Quel est son nom, sa race et sa date? Bon, de nom, il n'en a pas. Sa race, c'est un arabe, et sa date, j'ai un petit doute. Oui, bien en 1993. Comment l'as-tu découvert? Montre-nous un petit sketch. Génial, un nouveau slash. Voyons, voyons. Hop. Ah, qu'il est beau ce petit poulain. Poulain arabe, de quelle date? Mais qu'est-ce que c'est que ce point bleu? Bon, il est de 1992 plus 1, 1993. J'avais jamais vu un point bleu. Est-ce que tu te poses la question pourquoi a-t-il un point? Bah bien sûr, c'est vraiment... Bah oui, comme tout le monde je pense. As-tu cherché pour voir si tu en avais d'autres? Oui, j'ai retourné tous mes slèches pour voir si j'en avais d'autres quand j'ai découvert qu'il en avait un. Combien en as-tu avec ces fameux points? J'en ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ont-ils le point bleu ou d'une autre couleur? Donc, il y en a 13 qui ont le point bleu. Oh là là. Et un qui n'a pas le point bleu, c'est le frison. Et oui, c'est un frison et non un méran. Donc voilà, il a un point jaune, orange, rose, on ne sait pas trop. Est-ce que leur point est toujours sur le même membre? Alors oui, ils sont toujours à l'intérieur. Si on les regarde comme ça, à l'intérieur droit. Donc voilà, ils sont tous comme ça, j'ai regardé. Est-ce que leur point est toujours... J'ai déjà répondu à ces questions. Sais-tu pourquoi ont-ils des points? Alors j'ai mis déjà plusieurs hypothèses. J'ai toujours trouvé un contre-exemple. Donc à chaque fois, ça tombait à l'eau. J'ai déjà eu l'hypothèse de l'année, ça allait pas. Par exemple, tous les slèches comme ça, de ce moule-là, ont un point. Non, ça n'allait pas, j'ai trouvé des contre-exemples. Bref, j'ai mis pas mal d'hypothèses qui n'allaient pas du tout. J'ai vu la vidéo aussi d'Emeline Marty, mais je reste quand même assez perplexe, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont ces points. Donc si c'était vraiment une fin de gamme, j'ai envie de dire, on n'aurait pas tous autant de points. À mon avis, je sais pas, je reste perplexe, même si c'est vraiment une bonne idée. Hein. Fais-tu attention à ces schlèches? Bah autant qu'aux autres, pas parce que eux ils ont des points bleus que je fais plus attention. Je fais attention à tous mes schlèches, donc pas eux en particulier, tout le monde quoi. Combien de types de couleurs possèdes-tu? Bah du coup deux, le rose, orange, bizarroïde et le reste sont tous bleus. Est-ce que ça t'a plu? Oui, c'est intéressant parce que comme ça, avec ce tag que j'espère va se profaner. Bien sûr, profagie, bien sûr. Qui va être dans, sur différentes chaînes, on va pouvoir voir un peu quelles figurines en particulier ont les points bleus. Donc peut-être à la fin pouvoir résoudre ce petit mystère. Qui tagues-tu? Alors je tag Eclipse Slash, Équilibre et Piano Slash. Je crois pas que vous l'avez fait. J'ai regardé vite fait sur vos chaînes et j'ai pas vu ce tag. Donc voilà. J'espère que ce tag vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye.